Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil couple. 10 choses à n'absolument pas faire lorsque tu viens de te marier. Quand je dis lorsque tu viens de te marier, je parle de ceux qui viennent de se mettre en ménage. Donc si tu viens de prendre un appart avec ton mec, si tu viens de te fiancer, peu importe. Et même si juste ça va bien avec ton mec, que tu envisages de te marier, de te fiancer, mais que tu n'en es pas encore là, ma crème d'amour. Tous les conseils que je vais te donner aujourd'hui, je te les sers littéralement sur un plateau d'or 24 carats. Donc assieds-toi, ouvre bien grand tes pavillons et prends-en de la graine. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda. J'espère que tu vas bien. Femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour te motiver à évoluer physiquement, mais surtout mentalement, mes crèmes d'amour. Sachez que je suis coach de vie. D'ailleurs, dans la barre de description, vous trouvez tous les liens vers mon Instagram, vers ma chaîne secondaire et surtout vers mon site internet, donc www.lindarezacoaching.com. Si tu souhaites réserver ton créneau coaching téléphonique avec moi, je t'en prie. On va pas trop blablater, mais je vais juste vous demander une seule chose, c'est bien sûr de me mettre un emoji rose, comme ça je sais que vous êtes passé par là. Et bien sûr un like, si ce genre de vidéo vous convient, sachez que j'ai 10 conseils aujourd'hui, il n'y en a pas que 10, j'ai mis pour moi les plus importants. Et si je vois qu'il y a beaucoup de likes et ce genre de vidéo vous plaît, j'en ferai davantage. C'est vrai que j'en faisais beaucoup avant, c'est des vidéos que je prépare, donc j'ai besoin de motivation, j'ai besoin de soutien. On adore ou pas? Bien sûr que oui, je sais que je peux compter sur mes crèmes de la crème. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ça fait une ou deux fois que tu passes par là, ma chérie. Tu crois qu'on t'a pas vu? Bien sûr que oui. Abonne-toi, c'est gratuit et active la cloche comme ça. De toute façon, je fais une vidéo par jour, deux vidéos dimanche et une vidéo le samedi. Le samedi, d'ailleurs, c'est les coachings en live. Vous devez vous inscrire sur mon Instagram en story. Et du coup, vous me donnez votre numéro de téléphone. Je vous appelle sur WhatsApp. Donc, bien sûr, on est en direct. Je vous conseille, on vous écoute, on vous épaule. Et bien sûr, il y a les crèmes de la crème qui interagissent dans le chat live. Bon, c'est parti. On peut commencer avec le premier conseil. Mon premier conseil, et je ne cesse de vous le dire, c'est vraiment une vidéo où je regroupe les conseils que je donne par-ci par-là. Vous avez vu que dans toutes les vidéos, même si parfois vous n'êtes pas concerné par les titres, il y a toujours des conseils à prendre et des conseils en or. Et je vous parle souvent de premier conseil, du coup, chose à ne pas faire, c'est lorsque tu viens d'emménager, lorsque tu viens de te marier, ne délaisse pas tes copines. Ne délaisse pas tes copines parce que cette vie sociale, c'est cette vie sociale en fait qui va t'aider à tenir le fil, à tenir le cap. Aujourd'hui, ça va avec ton mari. Aujourd'hui, tu es dans ta bulle de coton. Vous êtes bien vous deux. Donc, quand tu reçois un message de Sylvie, ma chérie, quand est-ce qu'on se voit pour boire un coup? Quand t'as Sabrina qui te dit, il faut qu'on s'appelle, pourquoi tu réponds pas au téléphone? Bon, arrête d'esquiver tes copines. C'est primordial que tu continues à les voir et que tu retiennes leur amitié parce que déjà, premièrement, elles vont se sentir délaissées. Elles vont se dire, ça y est, celle-là, elle a trouvé un mec. Maintenant, ses copines, ça y est, on ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'on l'a écoutée quand il ne lui répondait pas au téléphone. On l'a soutenue, on l'a épaulée, on a été là à son mariage. Je me suis acheté ma meilleure perruque à 800 balles pour aller à son mariage. Et le jour là même, où une fois qu'elle est mariée, je lui envoie un message parce que moi-même, je suis pas bien, ou je l'appelle, elle me snob. Ça se fait pas, mes crèmes d'amour. Comme je t'ai dit, aujourd'hui, ça va avec ton mec. Peut-être que demain, ça ira pas. Aujourd'hui, en fait, il y a la collision de vos deux routines. Vous êtes collés l'un à l'autre comme une enveloppe et un timbre. Mais ça ne va pas durer. Après cette période de lune de miel, il va commencer à faire sa vie. Il va retrouver sa PlayStation. Il va retrouver le foot. Il va retrouver le café le dimanche matin avec ses potes. Et toi, tu vas être là. Et comme tu auras snobé tes copines, il y aura de moins en moins d'appels. Il y aura de moins en moins de... Elles auront fait leur vie sans toi. Tu n'es pas indispensable et personne n'est indispensable. Et tu vas dire, mais attends, là, je crois que j'ai été le dindon de la farce. Au début, on était tous les deux. Les mecs, ils sont pas comme nous. Il a su retrouver ses potes, mais moi, je vais faire comment? Maintenant, je suis toute seule. Il ne veut pas partager ses moments avec moi. Donc, comment je fais? Ma chérie, c'est primordial pour garder le cap, pour booster un peu ta routine, pour voir qu'il voit que tu as une vie, que tu n'es pas une sans-amie, ma chérie. Ok, tu n'es plus une sans-abri, mais là, maintenant, tu vas devenir quoi? Une sans-amie? Ma chérie, aujourd'hui, ça va avec lui, mais peut-être que demain, ça ira pas et que tu seras bien contente de rigoler avec tes copines, d'entendre leurs histoires croustillantes avec leurs mecs, avec leurs ex, avec leurs crushs. Et toi-même, ça te fera du bien, en fait, de parler de la pluie et du beau temps. Donc, ne priorise pas ton mari parce que tu le priorises et tu vas le regretter parce que finalement, il va se dire quoi? T'es trop collante, fais ta vie. Et je l'ai entendu en coaching, mes crèmes d'amour. Quand vos mecs, vous croyez que parce que ça fait un mois ou deux, vous êtes inséparables, vous faites tout ensemble, le jour où ça va changer et que lui va reprendre son train-train, ça va vous faire bizarre. Donc, vous allez le regretter. Appelle ta copine,
et que ça soit. Deuxième conseil, deuxième chose à ne pas faire, mes crèmes d'amour, c'est ne perdez pas vos habitudes make-up et vestimentaires. Parce que oui, on sait très bien comment on a fait. On est tout le temps là quand on avait un date, aller chez Zara, aller chez H&M, trouver une petite tenue, quelque chose d'un peu nouveau, pour voilà, pour le séduire. On était dans la séduction, on voulait lui plaire. Et pourquoi vous arrêtez ça? Parce que moi, je l'ai remarqué au bout d'un certain moment. Voilà, il va vous dire, oh mais t'es quand même belle sans make-up, pourquoi tu te maquilles comme ça? J'aime bien tes cheveux frisés, tu devrais pas, tes cheveux bouclés, bien sûr c'est beau les cheveux frisés, bien sûr que c'est beau les cheveux crépus, bien sûr que c'est beau les cheveux lisses, mais ce que je vais vous dire par là, c'est que vous aviez vos habitudes, votre routine capillaire, votre routine de make-up, et en fait, petit à petit, vous allez vous délaisser parce que vous avez l'impression d'être cute au naturel. Bien sûr, il faut qu'on s'accepte tel qu'on est. On sait à quoi on ressemble. Tu sais pas à quoi tu ressembles, ma chérie. Va juste à l'ophtalmo et va te prendre une paire de lunettes. On adore ou pas? Bien sûr que oui. D'ailleurs, certaines m'ont demandé les références. J'essaierai de vous les mettre en commentaire. Et d'ailleurs, on adore cette petite combinaison. Est-ce que vous êtes allé voir ma dernière haul Shein? Non, si c'est pas le cas, allez jeter un coup d'œil. Il y avait vraiment des pépites. Et d'ailleurs, j'ai un code promo. Bref, où en étais-je? Il va te dire, ne l'écoutez pas. Oui, t'es mieux au naturel. Oui, arrête de clisser les cheveux, t'es quand même bien et tout. Non, 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 non. Mes chéris, ils veulent vous fatiguer. Ils veulent vous déstabiliser. Ils veulent vous mettre dans votre tête que vous êtes cute comme ça, la même. Mais s'ils se sont mariés avec vous et que vous aviez des ongles d'un mètre de long, si t'avais tes fossiles, on aurait dit des parasols. Si t'avais ton push-up, si t'avais un make-up, on aurait dit que tu rentrais de soirée. N'abandonne pas. On peut évoluer, mais il faut que ce soit ta décision. Ne te laisse pas baratiner. Et surtout, ne prends pas la confiance, parce que c'est ça votre problème. C'est qu'une fois que vous avez séduit la bête, que vous l'avez dans votre filet, que vous êtes passé par devant le maire, vous êtes passé par l'imam, vous êtes passé par le prêtre, peu importe, et qu'après, il est là, il est dans votre lit, vous partagez la même boîte à brosse à dents. Après, qu'est-ce qu'elles me font? Eh bien, elles se reposent sur le laurier. Et maintenant, vas-y que je fais plus d'efforts. Non, tu vas le regretter, ma chérie. Sache une chose, c'est que lui, il part au travail, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit au feu rouge, quand il tourne la tête, la meuf, elle est pomponnée, que ce soit au boulot. Bref, tout le monde maintenant, même juste quand il se crache sur son téléphone, à la pub, les meufs, elles sont sur leur 131. Ma chérie, ton pinceau à maquillage et ton rouge à lèvres, ne le perds pas de vue. Ne le perds pas de vue. Ou sinon, il faut une affiche. Wanted. Les hommes, certaines fois, j'ai l'impression aussi qu'ils vous incitent à abandonner la coquetterie. Pourquoi? Vous allez perdre confiance en vous petit à petit parce que vous allez voir qu'il y aura moins de regards sur vous dans la rue. Que... Bref, vous savez, pour moi, le physique, prendre soin de son physique, c'est pas que de la superficialité, c'est une marque de respect envers nous-mêmes et envers notre interlocuteur. Je vous ai dit, il y a de la discrimination de la beauté. Et lorsque t'es pomponné, que t'as les cheveux propres, que t'es brushingé, stringé, maquillé, parfumé, les gens n'interagissent pas de la même façon que lorsque tu es lambda, lorsque tu es comme ça, lorsque tu es ça, lorsque tu n'es pas apprêté. Bien sûr que les gens ne vont pas, tu vas pas avoir les mêmes traitements de faveur. Je suis désolée, mais ça, c'est la vérité. Et celle qui me dira le contraire aujourd'hui, dégage. On n'est pas là pour perdre notre temps. Troisième des choses à ne surtout pas faire, mes crèmes d'amour, c'est ne laissez surtout pas votre belle famille devenir trop envahissante dans votre vie. Parce que si vous laissez votre belle famille vous envahir, vous êtes foutu. Les bonnes habitudes se prennent au début, les mauvaises aussi. Donc, montrez-leur que vous avez une vie. Montrez-leur que lorsqu'ils viennent, ils vous dérangent. Tu leur ouvres en nuisette, d'accord? Tu leur ouvres, c'est pas trop rangé, tu leur fais comprendre, je ne vais pas aller nostalgique et en fait, je ne vais pas aller m'habiller parce que t'es là. T'es là, tu m'as pas prévenu, je vais être comme je devais être. C'est à toi de téléphoner. Et puis, parfois, quand ils toquent, ou quand elle t'envoie un message, ta belle-mère, coucou ma chérie, je suis là dans 5 minutes. Ouais, non, en fait, tu te dépêches. Tu te dépêches, tu me sors ta paire de baskets et tu t'en vas en courant. Va faire un tour de voiture, va au centre commercial, va t'acheter une boîte de thon, des œufs, peu importe, du lait. Mais il faut surtout pas qu'elle s'habitue à poser son boule sur ton canapé 3 fois par semaine, ça va pas aller. Ça ne va vraiment, vraiment pas aller. C'est pas du tout une prescription médicale. Là, il va vraiment falloir faire quelque chose. Moi, je le sais parce que j'en ai beaucoup en coaching. Bien sûr que j'ai des astuces, bien sûr que je vous les ai données au téléphone, mais ne laissez surtout pas, en fait, cette habitude s'installer, même si au début, tout se passe très bien, même si à la fin, ça se passe très bien, même s'ils sont très gentils, même si ça vous fait plaisir. Non, il y a des mauvaises habitudes à ne pas prendre. À un moment donné, vous allez en avoir marre, ok? Et puis,
pour eux, ça va devenir un dû, ça va devenir normal. Il faut que ça reste un plaisir. Et vous devez vous faire rare. Je vous ai dit que vous devez être un produit de luxe. Qui dit luxe dit rareté. Si on te voit tout le temps là, on va pas te respecter. Quatrième chose à ne surtout pas faire. N'attendez pas votre conjoint, votre mari, votre fiancé pour faire une activité que vous souhaitez faire. Ne l'attendez pas pour aller aux courses. Ne l'attendez pas pour aller au resto. Ne l'attendez pas en fait, parce que si tu l'attends, tu vas être triste. En fait, dans la vie, il ne faut rien attendre de personne. Il faut que tu continues à être indépendante. Attention, il va falloir que je fasse une vidéo poussée sur tout ce qui est indépendance, parce que on nous crie beaucoup que les femmes, on doit devenir indépendantes et tout ceci, cela, tout ce mic-mac de femmes modernes. Vous savez que j'adhère pas du tout. Bien sûr qu'on doit être indépendante financièrement, bien que c'est pas pour autant que l'on ne doit pas se faire assumer. Je vais vous faire une vidéo plus poussée, et ça rejoint un autre point, mais surtout si tu as envie d'aller bouffer quelque part, n'attends pas après lui, parce qu'en fait il va te dire que t'as besoin de lui pour tout, c'est pas possible. Tu vas devenir chiante, tu vas devenir niaise, tu vas devenir pas très attractive. Si tu préfères le faire à deux, bien sûr que beaucoup de personnes préfèrent le faire à deux. Si à un moment donné, il y a des choses, vous allez les faire ensemble, mais il y en a d'autres, il faut pas que t'attendes après lui. C'est pas parce que vous venez de vous marier que vous allez être des frères siamois, la coller l'un à l'autre. C'est pas comme ça que ça se passe. Et il y en a, malheureusement, elles sont tristes. Lorsqu'elles se marient, elles me disent, Lina, je comprends pas, on partage rien ensemble. Je dis, pardon, comment ça? Vous avez fait quoi cette semaine ensemble? Donc elle me dit, je dis, si, vous partagez des choses ensemble. Mais arrêtez de croire ce que qu'on vous dit. Arrêtez de croire ce que vous voyez, parce que ça ne suffit plus. Il faut le voir pour le croire. Cette phrase-là, elle n'a aucun sens, je vous dis la vérité. Surtout en 2023, parce que les gens font semblant. Donc, ne vous alignez pas sur son emploi du temps. Si tu avais envie de faire telle ou telle chose, ma chérie, t'as envie d'aller manger chinois, va manger chinois. Va manger avec ta mère, va manger avec ta soeur, va manger avec ta copine. Elle-même, en fait, quand même. Les copines, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas les abandonner, parce qu'il y a un moment donné où dans votre couple, il va y avoir des up and down, il va y avoir des moments de mou, il va y avoir des moments un peu de doute et tout, et les copines seront là pour ça. Ne vous alignez pas sur son emploi du temps, et ne croyez pas en fait qu'eux-mêmes vont s'aligner sur le vôtre. Ah là, vous allez être complètement détruite. Hein. Donc bien sûr, tout est une question d'organisation, sur ton emploi du temps, les courses, les moments à deux, la soirée Netflix, il va falloir en fait s'organiser pour ne pas être perdue, parce que certaines, en fait, avec la routine ou avec... Elles n'arrivent pas à trouver une routine dans leur couple et elles se sentent un peu perdues, elles ne savent pas par où commencer, elles savent pas si elles doivent faire les courses ensemble, elles savent pas si elles doivent aller dîner avec eux, enfin bref, elles savent pas, en fait, elles croient qu'ils vont rester collées et faire les choses. Quand il ne va pas travailler, ça va rimer avec rester avec toi. Ma chérie, il faut que tu aies un agenda et il faut que tu aies un plan et il faut que tu donnes du temps à chacun et surtout du temps aux gens qui en veulent. Les gens qui ne veulent pas de ton temps, tu ne leur n'accordes pas. Lui va te dire quoi? Mais attends, on habite ensemble déjà. Pourquoi on a besoin d'aller tout faire ensemble? Et il aura raison, ma chérie. Chaque chose a son temps. Moi, je vous ai dit, l'organisation, c'est primordial. Le moment pour faire les courses, tu fais tes petites recettes, tu fais ta petite liste de courses, tes repas rapides, les jours où tu... Voilà, ou le jour où tu vas finir tard au boulot, les jours où tu vas avoir une journée qui sera un peu plus chargée, ou alors commander, ou alors déjeuner dehors, ou dîner dehors. Bref, il va vraiment falloir que tu aies... qu'il voit en fait que tu as des choses à faire. Parce que si tu attends après ces propositions, mes crèmes d'amour, ça revient à ce que je vous ai dit, on n'attend rien de personne. Vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi de se marier alors? Ma chérie, ça sert pas à ça. C'est pas un chat là que t'allais chercher à la SPA. C'est pas un petit chiot maltais non plus que tu as ramené pour te tenir compagnie. C'est pas une plante d'IKEA, c'est pas un poisson rouge dans un bocal qui va rester collé à toi, c'est pas ça du tout, c'est un être humain à part entière, tu ne vas pas lui couper sa liberté, c'est juste deux personnes qui s'aiment, qui voulaient vivre ensemble et voilà, dormir ensemble, qui voulaient, comment te dire, bah, pas qu'une autre personne vienne prendre, voilà, cette dernière taille 38, ce super jean qui fait un super bon boule, donc non, ce jean-là, on le veut, on l'a acheté parce qu'on... Il est fait pour nous, voilà. Mais c'est pas pour autant que ce jean, en fait, on va le porter tous les jours, il faut pas déconner. Donc toi, t'es le jean, ma chérie. Allez, calme-toi et occupe-toi. Occupe-toi, ma chérie, ok? Voilà, mon conseil numéro 6, c'est de ne montrer jamais à votre mari, à votre conjoint, que vous êtes trop débrouillarde. Je sais percer, je sais faire la peinture, je sais changer mes pneus, je vais emmener ma voiture au garage. Ma chérie, il va te servir à quoi, lui-même? On doit tous se servir à quelque chose. Et si tu sais tout faire, eh ben, il va savoir que tu es débrouillarde et que tu n'as pas besoin de lui. Et à la fin, le jour où tu vas lui demander de te faire ça, de te rendre tel service, alors qu'il sait que tu sais le faire, il va dire « Non, ma chérie, je n'ai pas le temps, fais-le toi. » Il y a certaines choses, il ne faut pas leur montrer tous nos talents, d'accord?
Donc, les talents de danseuse, je veux bien. Les talents de cuisinière, on est là pour ça. Fais du logis, I love it, I like it. Maintenant, il y a des choses comme aller jeter les poubelles, comme aller faire les courses, les packs de lait, les bouteilles de Badoit, les machins et tout. On a besoin d'eux. Si tu veux faire les courses, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si tu le klaxonnes ou si tu le sonnes et tu lui dis, je suis arrivée en bas de la maison, il va falloir que tu les portes. Ok, ma chérie. Quand on veut, on peut, et surtout quand on n'a pas le choix. Mais lorsqu'on a le choix, ma chérie, quand il y a diverses options, on va pas tout le temps choisir la même option. Oui, allô, chérie? Oui, je viens de. Oui, les courses, je suis en bas. Tu peux descendre et porter les packs de lait parce que franchement, c'est trop lourd. Il y a des sacs. Franchement, j'ai peur, ils vont craquer. Bon, à tout de suite, mon cœur, merci. Tu vois, c'est pas est-ce que tu peux venir m'aider? Non. Descends, descends. Il y a des sacs qui sont trop lourds, c'est pour toi, chérie. Ok? Ma crème d'amour, les cours de bricolage, c'est non. Si t'es célibataire, si même tu as acquis certaines expériences, certains acquis, on adore, I love it, I like it. Mais tout ça, là même, il va falloir lui cacher. Il n'a pas besoin de le savoir. Il va aller engager des gens, il va ramener son cousin, il va ramener son père, il va ramener la perceuse de son grand-père et il va ramener le tabouret de sa mère. Ça, c'est pas ton problème, il va falloir qu'il se débrouille. Parce que comme je t'ai dit, le problème avec les femmes qui sont trop indépendantes, qui font trop les meufs, je n'ai pas besoin d'homme, je sais tout faire, je n'ai pas besoin de toi. Non, ma chérie. C'est-à-dire que lui-même, il va savoir que tu n'as pas besoin de lui, il va rien faire. Il va rien faire. Tu sais tout faire, pourquoi il va le faire à ta place? Il va toujours trouver des excuses. Voilà, la seule chose qu'il va faire, c'est trouver des excuses. Alors qu'il pourrait trouver des solutions. Laisse-le trouver des solutions, là même où il sait pas faire, il se démerde. Parce que si vous l'habituez à tout faire, il va compter sur vous pour tout gérer et ça, on refuse. D'accord? Et ça, c'est dès le début. Parce que comme je t'ai dit, une fois que tu lui as montré tous tes talents, t'es fichu. Septième chose à ne surtout pas faire, mes crèmes d'amour, c'est instaurer le manque de respect dans les disputes. Voilà. Donc, ça peut aller très vite. Et certaines fois, vous êtes là à me dire, mais moi, jamais de la vie et tout. Après, et faites attention, votre période de règles, ça aussi, il va falloir que j'en parle, de votre cycle menstruel, parce qu'il va vraiment falloir que vous commenciez à organiser un petit peu, pareil, votre emploi du temps, votre vie même, par rapport à votre cycle menstruel, parce que nous, les filles, on n'est pas les mêmes pendant notre période de règles, pendant notre période d'ovulation, une semaine après les règles. Donc, c'est vrai que faites attention, des fois, on peut craquer, être impulsive, être chiante, être désordonnée, être désorientée, être déboussolée et être complètement imprévisible. Et du coup, ça peut aller très vite. Bon, ce n'est pas que notre faute, hein, bien sûr. C'est aussi de la leur. Et les commencer à dire, ferme ta gueule, FTG. NTM, ça peut aller très très loin, on se croirait dans un film, dans un clip de rap. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Donc le manque de respect quand ça commence à s'installer, c'est horrible, c'est horrible. Donc comme je vous ai dit, n'acceptez aucun manque de respect. Ne surenchérissez pas non plus. D'accord? Ne surenchérissez pas dans la connerie. Il ne faut pas vous rabaisser, mais montrez avec votre attitude que vous êtes choquée. Ma chérie, même si ta mère, elle disait des dingueries à ton père, même si ton père, il disait des singeries à ta mère, montre-lui que ce que tu viens d'entendre ou ce qu'il vient de faire, c'est inacceptable et que tu es choquée et que tu es dégoûtée et que là, tu as besoin de réfléchir et que limite, si ton mec, il commence à gueuler, tu me fais chier, j'en ai marre, tu me saoules, bref, FTG et tout. Tu t'assois comme ça, tu le regardes, tu lui dis, mais t'es sérieux? Tu fais comme ça, comme un film indien, mes chéries. Film Hindi, on adore ou pas, il faudra que tu regardes tes classiques de Bollywood. Mets-toi en état de choc, bien sûr avec une voix calme et un comportement équilibré. Tu lui dis, je sais pas ce qui t'arrive, je sais pas pourquoi tu hausses le ton, tu n'as pas besoin de crier pour que je t'entende ou pour que je te comprenne. Je pense que tu as raison, que j'ai raison aussi, on a simplement deux points de vue différents, mais par contre, me parler comme ça, c'est la première et la dernière fois, ça va pas le faire du tout. Tu ne t'adresses pas à moi comme ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Bien sûr, là, à ce moment, il va falloir opter un comportement distant, c'est très important, parce qu'il va falloir crédibiliser cet état de choc et cet état de « je suis en train de réfléchir à ce qu'il vient de me faire, je suis en train de douter », il va comprendre. Essaie de réfléchir à des choses sérieuses. Ma chérie, si t'as rien de sérieux là à penser, le travail, je sais pas, fais des calculs pour un sac que tu veux acquérir. Bref, ma chérie, là, il va falloir que tu sois distante, posée, réfléchie. Parce que si tu fais la meuf aigrie et la meuf toxique, là, ma chérie, tu vas pas donner envie finalement au tigre de venir te lécher et de venir te s'excuser, quoi. On s'excuse plus facilement face à un chat que face à un lion. Voilà, bien sûr, il va falloir lui montrer que son attitude vous fait réfléchir, mais c'est pas pour autant
que vous allez remettre en question votre emploi du temps. Si tu devais faire ta pause de manucure, ta pédicure, ton poulet aux olives, regarder The Voice, Koh-Lanta, appeler ta pote et rigoler, tu le fais, d'accord? Il va pas falloir, en fait, il va falloir qu'il comprenne que ses états d'âme ne vont pas faire la météo, d'accord, dans ta vie. Ça, c'est primordial. Parce que s'il comprend qu'il peut contrôler un peu ton état d'esprit et ton humeur, t'es fichu. Fais-lui comprendre qu'il ne va pas déstabiliser ta routine et ta joie de vivre. Mais que tu réfléchis parce que son comportement à lui n'est pas normal. Que pour toi, là, ça devient critique, c'est une bête de foire et que tu es en train de réfléchir sur son cas. On le garde, on en fait quoi? C'est le maillon faible? Allez, dégage. Je rigole, bien sûr. Passons à la huitième chose à ne surtout pas faire. Faire entrer vos copines dans votre maison, dans votre foyer. Les copines, c'est génial, mais on les garde à l'extérieur. À partir du moment où tu as ton mec, que ce soit pour aller t'essuyer les mains après que tu allais chier, ou pendant que tu es en train de te changer de chaussures parce qu'elles te font mal aux pieds, avant une sortie ciné, il peut s'en passer des choses. Hein, des regards complices, il va vous comparer à votre copine, parce qu'elle, elle va se donner un genre face à lui, je suis désolée. Les femmes, c'est comme ça, malheureusement, on ne peut pas leur faire confiance. Ta sœur, ta cousine, ta copine, ta voisine, bref, c'est hors de question. Tu ne transformes pas ton salon en salle de thé. Votre maison, votre habitat, c'est votre repère, c'est votre cocon, c'est votre intimité. Ne faites pas rentrer d'énergie inconnue. Quand je dis inconnue, tu vas me dire, ouais, mais les good vibes, elle est, non, c'est une bonne paire. C'est inconnu. Tu connais pas trop les énergies. Le problème, c'est que la jalousie, la frustration, certaines mauvaises vibes, si elles rentrent chez toi, t'es foutu. Je te dis la vérité, fais pas rentrer tes copines chez toi. Pas quand ton mec est là, tu peux le faire rentrer quand il est pas là, mais attention à la chambre. Je vous l'avais dit brièvement, mais la chambre, les copines, elles ont pas rentré dans ta chambre. Ta cousine, elle a pas rentré dans ta chambre. Ta sœur, à la limite, mais personne ne rentre dans ta chambre. Ta chambre, c'est important. Faites attention au sihr, d'accord ? La chambre, c'est sacré. Le lit conjugal, c'est sacré. Pas de photos de copines dans ta chambre. Pas de photos de ta famille dans ta chambre. Même tes enfants, même les photos de famille, là-même, c'est pas dans ta chambre, ma chérie. Les photos de famille, ça peut être dans le salon ou même dans l'entrée. Moi, je te dis la vérité, j'ai aucune photo. J'ai aucune photo. Avant, comme une débat, j'avais plein de photos sur mon frigo. Les meufs, elles rentraient chez moi, je les invitais à manger et elles regardaient mes photos de vacances comme ça, Teba. Ah, mais t'as été là? Waouh! Ah ouais, mais cette ceinture, elle est passée où? Mais vous avez été dans ce pays? Oh, ma chérie, calm down, please. Vous savez, votre mari, quand chez vous, c'est bien, je vous ai dit que c'était important l'environnement, un environnement épuré, des fleurs, des bougies, un cocon. Quand un homme, quand une femme, elle est bien chez soi, quand on est bien chez nous, vous voulez sortir pour faire quoi? Bien sûr qu'on aime sortir de temps en temps, mais quand on est bien chez nous, on aime rester chez nous. Vous savez, c'est facile de prendre, d'acheter ou de louer un appartement, de signer un bail ou pour une maison, mais créer un foyer, c'est ça. Et créer un foyer, ça passe par quoi? On ne fait pas rentrer ses copines chez soi quand son mec est là, non. Tu peux, même si on aime recevoir, tu peux aimer recevoir, mais chaque chose en son temps. Et tu reçois quand ton mari n'est pas là, ma chérie, ok? Voilà. À part si c'est soirée couple, je veux bien que tu reçois un couple d'amis. Mais pareil, prends tes précautions. Après, il faut la sogerté, les vibes, il va falloir changer d'air, mettre des courants d'air, on adore ou pas, bien sûr que oui. La lumière aussi. Bon bref, ça c'est une vidéo aussi que je vous avais faite sur le feng shui, sur l'abondance et tout. Hein. Non, je vous la mettrai pas en barre, mais il faut surfer plutôt. Smurfer en surfant, ça c'est bien. Sur ma chaîne, il y a beaucoup, 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 beaucoup de vidéos. Conseil, il va vraiment falloir que tu ne fasses pas attention aux miniatures et que tu ailles regarder ce qui s'y passe parce qu'il y a vraiment des grosses pépites d'or. Donc, neuvième conseil à ne surtout pas faire, c'est raconter vos secrets de famille. Je vous l'ai dit, parfois tu vas avoir l'impression que c'est ton âme sœur, que c'est ton amour, que vous allez finir votre vie en « oui, oui, je te le souhaite, bravo, génial, super ». Mais le jour où tu vas t'embrouiller avec lui, que tu lui as dit que ta sœur c'était une cassose, que ton frère il trompe sa femme, que ta mère, je sais pas, le profite sur ton père, que ceci et que cela, le jour où tu vas t'embrouiller avec lui, il va te le ressortir. Le jour où tu vas t'embrouiller avec sa mère, qu'elle va te faire une dinguerie, et que tu vas dire là, ta mère par contre, il va falloir la canaliser, elle est pas normale. Il va dire « et ta famille, parlons-en ». Ma chérie, ne parle pas de ta famille, ne parle pas de tes secrets de famille. Tout ça, ça doit garder, en fait... il faut que tu crées ta famille avec ton mari, mais ta première famille, il faut tostrer, ok? Il faut préserver ça. Il faut préserver ça pour le bien-être de ton couple. Je ne te dis pas qu'il faut mentir, je te dis juste qu'il faut que tu te la fermes, ok? Il faut que tu restes vague, il faut que tu restes évasive, il faut que tu restes mystérieuse.
Ok? Ne vous plaignez pas de ce qui se passe chez vous, ce qui se passe chez tes parents, ce qui se passe chez ton frère, ce qui se passe chez ta cousine. N'en parle pas, préserve ces personnes, ne raconte pas tes secrets de famille. L'information est une arme, hein, je vous l'ai dit, c'est des munitions. Le jour, pour une raison ou pour une autre, quand ça n'ira pas dans ton couple, quand ça n'ira pas dans sa famille, quand ça va partir en live un jour ou l'autre, mes crèmes d'amour, il s'en servira contre vous pour vous déstabiliser. Ok? C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Surtout, ça va discrédibiliser ton entourage, ta maman, ton papa. On a tous des membres de notre famille qui sont cassos sur les bords. Ok? On n'a pas besoin, en fait, si tu veux, de leur faire de la promotion avec notre mari. On n'a pas besoin de ça. En plus, le jour où toi tu vas disputer avec lui, tu vas te réfugier chez ta sœur, tu vas aller chez elle 2-3 jours, voilà, et ben ça va pas être très palpitant quoi. Il va se dire ouais mais sa sœur c'est une cassos, elle m'a dit qu'elle sortait pas, qu'elle avait pas d'argent, qu'elle faisait rien, que de toute façon c'est une clocharde, que machin. Tu vas pas être palpitante. Même ta fugue là, de 2-3 jours, ça va pas, ça n'aura aucun sens, ça n'aura aucune valeur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou même si un jour tu t'embrouilles avec ton mari qui te trompe, qui te fait une dinguerie, qui te met une baffe, que tu appelles ta maman, que tu appelles au secours, que tu souffles, que tu mets ton gilet de sauvetage, que tu souffles sur le sifflet et help me please, et que ta mère débarque, mais que toi tu lui as dit des vilaines choses sur ta mère, ton frère débarque aussi, mais il va leur dire mais attendez, vous êtes drôles tous là, vous allez me donner des conseils qu'à ce que vous êtes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ma chérie, ne fais pas ça, et si malheureusement tu l'as déjà fait, stop it please. On arrête ça tout de suite. Essaie de leur racheter une image. Ok? C'est faisable. Comment faire? Bah, ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Mettez-moi vos suggestions de vidéos en commentaire, please. Ok? Thank you. Pareil, j'allais oublier les appels téléphoniques. Si ta soeur t'appelle pour te raconter ses problèmes avec son mari, si ta copine t'appelle et toi t'es là, tu la conseilles, c'est pas mystérieux. Ce n'est pas à faire devant ton mari parce qu'il va cerner un petit peu le vice. Même il n'a pas besoin de connaître le secret de ta soeur ou de ta copine. Ces conversations-là même, et moi je le sais parce que j'ai des copines, on s'appelle généralement pendant 1 heure ou 2 heures et je sais qu'elles passeront par là, elles se reconnaîtront. Et des fois, je sais que quand le mari d'entre elles rentre ou qu'au moins le mien rentre, je dis, il y a mon mari qui vient de rentrer, on se rappelle demain les filles, ou on se rappelle la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou peu importe. Mais ces conversations-là doivent rester secrètes, d'accord? Parce qu'il va avoir une autre facette de vous, de un petit peu quand tu bitches ou quand tu... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Non. C'est pas délicat, c'est pas mignon, c'est pas gracieux, c'est à ne pas faire, ok? Dixième et dernière chose à faire, à ne pas faire, pardon, c'est se plaindre. Arrêtez de vous plaindre, il n'y a rien de plus dégoûtant qu'une femme qui se plaint. Ils n'ont même pas posé leur téléphone sur le buffet de l'entrée. Ça va ma chérie? Non, ça va pas, je suis fatiguée, tes gosses ils m'ont saoulée, je ne sais même pas quoi faire à manger, j'en ai marre. Non, en fait, laissez les gens respirer. Et tu ne peux pas te plaindre. En fait, des fois, vous accumulez des complaintes et des plaintes et machin, et après, vous vomissez comme ça. Vous vomissez comme ça, comme une personne qui n'est pas malade, qui n'a pas la tourista, qui n'est pas enceinte et qui n'a rien mangé. Mais qui t'a emmené? Pourquoi tu déposes ta galette? Laisse-moi tranquille. Non, il ne faut pas se plaindre. En fait, surtout quand vous vous plaignez en criant, en étant vraiment très frustré et aigri sur certaines choses dont il n'avait pas conscience. Toi, tu en as marre qu'il ne t'aide pas. Tu en as marre qu'il ramasse pas ses chaussettes. Tu en as marre qu'il ne t'aide pas à faire à manger. Tu en as marre parce que tu es fatigué. Mais est-ce que tout ça, tu lui as déjà dit? N'accumulez pas trop de choses et après vous explosez en semaine de règles ou 2 jours avant vos règles. Je vous connais. Mais crème d'amour, en fait, il y a certaines choses qui se disent. Certaines choses, bien sûr, on doit communiquer dans le couple, c'est important. Mais ça se dit avec des cheveux propres, avec du make-up, avec un décolleté, avec garde à Béria. Et surtout avec un mari, voilà, qui a envie de discuter, qui est prêt, qui est reposé, à qui tu as servi un bon plat, où tu es douce. Ça va ma chérie? Oui, ça va super bien, je passe une trop bonne journée. Et toi, t'es pas trop fatiguée? Tu veux un massage mon doudou? Ouais, je te fais un massage, attends, j'ai pris l'huile. D'ailleurs mon chat, j'ai vu, t'as même pas fait ce que je t'ai dit, t'as pas jeté la poubelle, c'est encore moi qui l'ai fait. C'est pas normal, il faut vraiment que tu m'aides, d'accord bébé? Parce que là, c'est pas possible. Hein. Moi là, je vais être fatiguée, je vais être cuitos, ok? Donc, tu peux pas lui vomir à la gueule comme ça que t'en as marre de cuisiner, que t'en as marre de faire le ménage, que t'en as marre de tout faire. Il faut en discuter au bon moment, d'accord? Et surtout, quand vous avez besoin d'aide, il faut le dire. Par exemple, il faut le dire correctement. Par exemple, tu veux qu'il vide le lave-vaisselle, il le fait jamais, t'en as marre, c'est tout le temps toi qui fais tout, le mec qui fait rien. Il t'assume, calme-toi, d'accord? Ça ou même, c'est des prestations qui sont payées en nature. Hobby, je vais fermer les ongles, je compte sur toi, tu vides le... Je sais que tu veux...
Je sais que tu vas le faire, je peux compter sur toi. Tu vides le lave-vaisselle, d'accord? Tu vas sortir après voir tes amis, tu sais pas? Et si tu sors, tu prends la poubelle, après elle va sentir trop mauvais, ok? Bisous, à tout à l'heure. Oui, je vais passer au magasin. J'ai trop envie de manger un poisson. Tu sais quoi? Hier sur TikTok, j'ai vu une recette. Je suis sûre que tu vas trop aimer. Tu vas trop aimer, mon cœur. Les ongles rose ou blanc? Blanc? Non, je préfère rose. À tout à l'heure. Tu vois le truc ou pas? Bien sûr que il y a une façon de dire les choses. Si toi, t'es là, tu mords, ma chérie, on n'a pas envie. On n'a pas envie de t'écouter. Tu gaves, tu saoules. Ouais. Quand tu saoules comme ça, quand t'es méchante, quand t'es aigrie, on n'a pas envie de te faire plaisir. Tu donnes pas envie. Quand t'as un décolleté, quand t'as la voix douce, que tu te rohibisses, ma chérie. Voix de téléphone rose. Oui, doudou. Allô? Oui, je viens de rentrer tard au travail, je te dis pas. J'ai plein de trucs à te raconter, tu vas être choquée. Passe au McDo et prends-nous des menus. Parce que là, je vais pas cuisiner. Parce qu'en plus de ça, ce matin, quand je suis partie, j'ai pas eu le temps de plier le linge. Là, je vais rentrer, je vais plier le linge. Tu ramènes à manger. Ok, doudou? N'oublie pas la sauce barbecue. Tu vois? Il faut pas leur laisser le choix. Mais quand tu dis ça, un moment, tu vois, il faut pas demander. C'est pas une question, c'est une information. C'est un ordre. Mais c'est un ordre dit avec douceur. Tu vois? Par une femme coquette, par une femme distinguée, par une femme classe. Bon, ça donne envie. N'accumulez pas de reproches dans votre tête. Dites-le, d'accord? Parce que quand tu dis trop de choses en même temps, il va dire tu saoules. Tu fais que te plaindre. T'es jamais contente. Non. Trouvez un bon moment pour dire des choses calmement. Et même vous, en fait, ça va vous éviter de dépasser un certain stade et un certain grade de dispute, d'énervement, d'agacement et tout. Mes crèmes d'amour, la vidéo elle est finie pour aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas d'interagir, de me dire ce que vous en avez pensé, de choses que vous avez déjà adoptées, de choses que je n'ai pas dit aujourd'hui et que vous appliquez. Franchement, c'est avec grand, grand, grand plaisir que je lirai tout ça. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre soutien. Si tu m'as écouté jusqu'ici, gros bisous, je vous aime trop mes crèmes. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Gros bisous.